Alright, alright, alright! Bienvenue tout le monde sur le campus de la Salty Academy! Avec 1h13 de retard, hein! Est-ce que c'est de notre faute? Hein? Est-ce que c'est de notre faute? Eh ben, même pas! C'était de la faute de Twitch. Ok, là, on a une bonne excuse. Remember it. Du coup, aujourd'hui sur le campus de la Salty Academy, on reçoit Celeborn. Battlefield 2042, on va tout défoncer. Record de kill, record de tout. On va tout défoncer. J'avais raison sous le tweet pour l'inviter au final. Ah, pour l'inviter? J'avais peut-être déjà laissé sous-entendre que ça serait Celeborn. Parce que j'avais dit une personne qui sait de quoi il parle quand il parle de Battlefield et qui sait jouer. Du coup, ça pouvait pas être White Thug, ça pouvait pas être Master Sneku, ça pouvait pas être... Ouais, ça enlève quand même pas mal de possibilités. Hein. Bon, bref, trêve de plaisanterie et trêve de conneries, surtout. Accueillons Celeborn. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lavarge Pokémon. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de 6-4 pour un unboxing de booster exceptionnel. Bon, ça va? Ouais, bah écoute, j'ai fini mon café, je suis plutôt en confiance. Je sais que tu as déjà 200 heures de jeu en hélico, donc je suis plutôt en confiance. Arrête, aussi. Arrête! Parce qu'après, je me fais insulter, quoi. Les gens qui font des clips sur Twitch, les community managers, je leur dis plus d'hélicoptère. C'est mort, après, je me fais insulter en javanais. Tu veux faire quoi, conquête, pour te chauffer? Conquête ou percée, moi, les deux me vont. Ok. On peut aller le jouer, lui. Je vais arriver dans ses 6. On va monter. On va le faire cracher. Ah oui, parce que 6-4. Ah oui, non, mais t'es en mode humour aujourd'hui. Mais ça, j'aime bien, moi. Ah oui. Ouais, j'essaie de pas bouger. Correctement, faut que je tire 3 mètres devant, quoi. Ouais, c'est bon, je l'ai défoncé, tu peux le terminer. Je suis en surchauffe. Allez, au revoir. Damn. Nice, lui. D1, on perd D1. Ok. Malgré le tank. Ah ouais, D1, ok. D1... Il y avait un ici. Attention, il reste une personne sur le point. Bien joué. Encore un autre sur D1, beaucoup sur D1, beaucoup. Ben ouais. On laisse pas reprendre D1, c'est notre point là, c'est chez nous. C'est voilà. Chez nous, mec. en face, le bolt. Il a pris la poire, bien joué. En face, plein de monde là. Enfin, 2-3 personnes. Ok, okay nickel. Moins deux. Et en dessous, regarde là. Oh putain. Je veux pas tranquille que tu puisses tirer en même temps. Ouais, t'inquiète. Tu les vois ou pas? Je les vois pas tous. Là, à gauche. Je vais la prendre, celle-là. Oh, ça me rend ouf, parfois, je te jure. Et le deuxième aussi. Non. Ouh oh. Tu l'as vu ou pas? Non. J'ai pas vu. Il y avait une Sundance qui arrivait juste au-dessus de nous. Nice. 19 minutes. Ouh, bien joué. Bien joué. Alors, toi qui es un grand fan de la saga Battlefield, qu'est-ce que Battlefield? Est-ce que Battlefield, c'est 1, les grandes conquêtes avec des véhicules, ou est-ce que c'est 2, c'est plutôt le cœur métro slash nos véhicules? Déjà, les véhicules, c'est une composante. Ce que je trouvais différent il y a 10-15 ans dans Battlefield, c'était déjà le côté teamplay, sans que ce soit un jeu compétitif. Parce que quand tu joues à CS, forcément, t'as ce côté teamplay, parce que t'as des communications de ouf en 5 contre 5. C'était plutôt le côté grande échelle, donc qui implique des véhicules. Et puis, ouais, ce côté teamplay, jouer l'objectif, jouer la victoire plutôt que son KD ratio, quoi. Et l'e-sport, alors? Non. Oh putain, la vache. Bah non. Zéro Wallou Podzob. Question, parce que j'ai été caster, mais j'étais très peu joueur sur des compétitions e-sport. Toi, à l'inverse, t'as fait les deux, mais t'as fait beaucoup plus la partie joueur, beaucoup plus d'expérience là-dessus. Est-ce que tu dirais que, en tant que joueur, ou même en tant que manager par exemple, que tu t'investis sur un jeu où l'éditeur et le studio ne mettent absolument pas en avant l'e-sport? Comment dirais-je? L'e-sport ne fait plus autant rêver que ça faisait rêver il y a 5 ans. Pour un accompagnement, il faut pré-mâcher le truc pour le transformer en entertainment par rapport à, ouais, il y a 4-5 ans où je pense qu'on avait atteint le top du top en termes d'e-sport. Et maintenant, il est clair que si l'éditeur ne suit pas, non, c'est mort. Là, on retomberait du coup dans des considérations du début de l'e-sport en fait. C'est-à-dire une communauté qui essaie de créer tant bien que mal du contenu dit compétitif sur un jeu qui lui plaît et c'est plus possible. À l'époque, les gens n'avaient rien d'autre à faire que ça en fait. Il faut de l'enjeu aussi.
faut des cash prize, un truc qui hype un petit peu, sinon t'auras jamais aucune team un peu intéressante qui vient aussi se taper dessus, quoi. Hein. Ah ouais, non, clairement, on l'a bien vu avec Fortnite, etc. Il faut que l'éditeur clairement mette la main à la pâte et même la main au portefeuille au final. Hein, Je pense que c'est pas leur préau du tout. Hein. Non, je crois pas non plus, non. Mais maintenant, aujourd'hui, ouais, il faut des jeux snackables, quoi. Il faut qu'en 2 secondes, tu gear up, tu sautes dans le jeu et que tu puisses faire des kills très rapidement, prendre du fun, pas de frustration, tout comprendre, machin, truc bidule. Et malheureusement, on peut pas s'étonner du fait que ça manque de profondeur, quoi, c'est tout. Hein. Et c'est un peu dommage. Anyway. Tu veux tenter de la percer ? Vas-y, carrément. Excuse-moi, on parle. Let's go, tac, let's go. Ouf, manifeste hélico, ça pue pas ? Non, ça pue jamais l'hélico, nulle part. Allez. Let's go, en dessous, il y a du monde, plein de monde. Bon là, je crois qu'on a fait un petit carnage, là. Oh non, je la prends. Oh, bordel. Dommage. Tu vois là, j'ai pris un dégât là. Ah non, c'est toi qui as tiré ? Ouais. Non, j'ai tiré au loin. Eh ben, j'ai pris un dégât. C'est horrible hein, pour toutes les personnes qui veulent apprendre l'hélicoptère, c'est genre horrible quoi. Si t'arrives un tout petit peu trop vite, BAM ! Ça explose. Il essaie de nous jouer lui hein, c'est sûr et certain, il est. Il est où ? Midi en face, je vois pas mec, je jure. Ah là-bas au fond, ok. Il prend. Il a largué ses flares, il est mort. Il a pas la hauteur, il peut pas jouer. Lui. Il va repinguer dans 2 secondes maintenant. Au revoir. Allez, termine-le, fais ton kill. Ou je le prends. Allez, let's go. On peut refaire une descente du coup. Voyons, ouais. Chopons les poches de résistance. Juste à gauche normalement là. Non, là il peut y en avoir aussi là. Let's go, t'as un monstre. A2, peut y avoir du monde puisque c'est en train d'être capé. Ok, on avance. On profite du Little Burn, canon de 20 et plein de monde là. Là, je suis en surchauffe. Bolt en dessous. Ouais, Bolt. Mort. Faut sur A1 ou A2, tu penses ? Bonne question. Il faut aider, moi. J'essaie toujours d'aider les verts, quoi. Donc, faudrait péter les poches de résistance devant le front vert, en fait. C'est là qu'il va y avoir du rouge. Là. Nice. Vas-y, fais-toi plaise. Allez, on fait un passage, on insiste un peu. Vas-y, let's go. Parce que les missiles contournent les bâtiments, ils font pas des grands tout droits en fait, donc c'est un peu relou. Il y a un truc qui tire au-dessus, mais je sais pas ce que c'est. Ouais, en haut. Hélicoptère de combat, très très haut dans le ciel. Je pense qu'il va nous jouer en revanche. On est à combien d'altitude ? 900, on est au plafond. Là. Ouais, mais là il va nous jouer. Va falloir que tu t'en occupes. Hein. Ouais. Il a peut-être pas de gunner en fait, je vais m'avancer légèrement. Oh, fils de. Si. C'est pour toi, hein, parce qu'il est en max range. En fait, le problème c'est qu'avec la vitesse des balles, j'en mets 2-3 à chaque fois quoi. Et ça va être dur, hein. On va avoir le même timing sur le truc. J'ai touché une fois avec la roquette, c'est terminé. Au revoir. Bien joué ça. Y'a un Little Bird devant. Il est hit, vas-y termine-le. Terminé. Il y a un avion derrière nous. Ouais, je vais me barrer. Oh l'hélicoptère. Oh là, ça on peut mourir là-dessus. Non, mais putain ouais. J'avais totalement oublié, je m'étais déjà fait la remarque en plus. Certains palmiers, et en particulier ces palmiers, sont matérialisés. C'est deux, ouais. C'est ça cap. Ouais, faut y aller là. Let's go. Moi je fais le ménage autour en fait, je coiffe l'objectif. C'est bon. On prend ces deux. Ah merde. Non. Oh non, la tourelle. Let's go. Je retourne sur C pour défendre. Ils sont tellement nombreux mec. Oh non, mais je me fous totalement wait. Comment on va perdre ça, sérieux? Allez mec, je te jure. Je vais la prendre celle-là. On s'en fout, on y va. Balancer du sensor. Ils sont 13 dessus, on est 12. Il va falloir que je joue mieux que ça, vos potes là. Je suis dessus.
Oh non, putain, il y a l'AD V4 là. Oh là 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 là, c'est dur. Ah, c'est compliqué, hein. Ouais, là, ça va être compliqué. Là, c'est le tout pour le tout. Là, faut pousser, hein. Ils ont mis toutes leurs tourelles et tout. Ah là là. Ah ouais, ils ont mis... Oh putain. Oh la game. Oh la game. 113 éliminations. Oh god damn it. GG, c'est trop une belle facile. Game quand même. C'est dommage que la squad avec nous suivait pas vraiment nos calls non plus. D'avoir 4 personnes, ça peut faire la diff à la place de 2. Ouais, ouais, c'est clair. Superbe game quand même. Ouais, très clair. Ouais, c'était cool. Ouais, vraiment c'était bien. C'était cool.